Ça va, vous? Oh, nice to thank you. C'est encore moi, coach Vincent. On commence à se connaître. Vous savez, je suis le gars qui vous apprend à gérer la pression sociale d'une main de maître. En gros, voilà, je vous apprends à dire non quand on vous propose de consommer de l'alcool ou autre substance, alors que vous n'avez pas du tout envie de les consommer. La dernière fois, on avait appris à esquiver une soirée, un afters, auquel on ne voulait absolument pas aller. Surtout, ne me remerciez pas. Remerciez-moi un petit peu. Merci. Du coup, nous allons aborder un tout autre thème, les jeux d'alcool, où le principe est de boire. Original. Ouvrez grand vos espadrilles et tendez l'oreille. Nouvelle situation. Vous êtes en soirée, et vous retrouvez par inadvertance dans un jeu d'alcool. Vous ne comprenez pas bien les règles, vous perdez, et un ami vous force à boire. Je précise que vous n'aviez aucunement envie de participer à ce jeu d'alcool, et encore moins de boire ce mélange qui s'apparente à du sans-plomb 95 vu l'odeur. Du coup, la meilleure solution pour ne pas boire ce verre, eh bien, c'est de plonger votre ami dans l'embarras le plus total. Mise en scène. Allez Alex, tu as perdu. Tu bois et enlève le coude. Écoute Mathias, je pense que ça va pas le faire. Tu te rappelles quand t'avais perdu au pour combien? Absolument pas, non. Bah moi je m'en rappelle, et tu l'as pas fait. Et tu te rappelles quand t'avais perdu 20-0 au babyfoot? Je n'ai jamais touché un babyfoot. Si, si, rappelle-toi, tu devais passer sous le baby et tu l'as pas fait. Ah, ça me dit vraiment rien. Et tu te rappelles l'autre soir quand tu devais boire une lampée de l'eau des WC? Hein? Ah bah tu l'avais pas fait. Ah si, tu l'avais fait. Et là, le malaise sera palpable et il vous lâchera les basques. Ou sinon, vous pouvez aussi dire non, au lieu de raconter des salades. Merci, c'était coach Vincent et arrivederci. Colmini.